Et bonjour à tous les BJs, ici BJ de retour pour une réaction à un clip de K-pop. Et il y a le groupe ONF, je sais pas du tout si on le prononce comme ça ou plutôt On Off, je crois qu'on m'avait dit ça à une époque, c'est une contraction entre On et Off. Et en tout cas ils reviennent dans un titre qui s'appelle Why, qui est sorti le 7 octobre, donc je vais y réagir tout de suite. Alors encore une fois c'est un groupe que je connais pas, je crois que j'ai fait peut-être une réaction sur eux il y a un bon moment. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un maximum de choses sur ce groupe là, quand c'est des groupes comme ça qui sont assez récents, que je connais pas du tout, ça m'intéresse d'avoir votre opinion ou que vous m'appreniez par vos propres moyens dans les commentaires un petit peu plus de choses sur eux. Allez, on y va. Allez, 3, 2, 1, bref. Bon, là, c'est en extérieur, il y a un immeuble de radio, certainement, avec le nombre d'antennes qu'il y a, télévision, je sais pas. On entend beaucoup les voitures et la circulation en bas. Street, quelqu'un qui court et ça fait flipper, il y a une musique un peu thriller, action. Mais la musique a complètement changé de ton. Très mélodique, oh, la fin du monde avec des météorites qui tombent. Et ça a l'air ultra mélodique, presque triste, c'est Paris, où il y a plein de villes. On dirait un film futuristique du futur avec peut-être une guerre imminente ou qui s'est passée avec des décombres. Oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y aurait un groupe de rebelles qui essaie d'empêcher quelque chose? Pas mal de monuments et de vues aériennes, beaucoup de forêts, il y a plein de paysages. Et là on est repassé sur une musique un peu inquiétante. C'est passionné, c'est dramatique. Ah ouais, visuellement c'est le truc du futur quoi. Il y a une guerre clairement qui se passe, on est en train de voir quelque chose. Alors est-ce que c'est avant une catastrophe ou après? Il y en a qui font un braquage et tout, c'est chaud hein, c'est très tendu, on dirait qu'il y a un truc grave qui se passe. Et ça repasse sur de la douceur. Ouh, je dirais même que la mélodie elle est très très belle. Pourquoi ils sont dans un musée? Ils cherchent une clé qui voit de manière holographique sur un tableau. Tout à l'heure on avait vu une clé dans les mains d'un membre. Et tout en restant doux, la musique elle s'est un peu excitée là, le rythme derrière. Et là ça repasse sur le truc un peu plus grave. Très original la musique. Oh, et ça augmente encore le rythme, dis donc. Comme si on courait contre la montre en fait. Est-ce qu'ils veulent sauver la planète? Il y a plein de trucs que je comprends pas, c'est le truc de fou. Qui c'est ce mec dans un tube de gaz? Est-ce qu'il crée des super-humains? Est-ce qu'il donne des pouvoirs? Est-ce qu'il se régénère? Waouh, la musique j'adore, elle part bien, bien passionnée, la mélodie est très bien faite. Il y a une plante bleue derrière, voilà on la revoit, elle est assez intéressante cette plante, c'est la seule au travers parmi des ruines. Je me demande s'il n'y a pas plusieurs moments dans le temps, passé, présent, futur, et que ce serait décousu. Là il y a un cadenas qui refait penser au concept de la clé tout à l'heure. Les gouttes et revenaient à l'envers sur ses cheveux, je sais pas si vous avez vu. Pareil détail, mais les boucles d'oreilles du dernier membre, là en gros plan, étaient des sortes de lames de rasoir. En tout cas, ils se disputent, hein. Je sais pas s'ils sont pas d'accord sur la marche à suivre. Et là, il y a plein de gens avec des masques. La clé, on la revoit. Il y a plein de choses dans ce clip. Et le rythme qui arrête pas de changer. Il y a du voyage dans le temps, c'est sûr. Oh, c'est quoi tout ça? C'est eux, c'est quelqu'un qui crée les météores, la fin du monde ou quoi? Oh, Inception quoi, une ville par-dessus une autre ville. C'est fou, visuellement c'est fou. Le mec il a des trucs du futur sur son corps en hologramme. Non mais y'a rien qui va là, c'est pas possible. Hologramme d'une ville en décomposition. La musique est très bonne et on n'a même pas le temps de s'y attarder tellement visuellement ça nous prend quoi. Ça, c'est un clip à regarder plusieurs fois et c'est une musique à réécouter au calme. J'ai super kiffé, que ce soit visuellement ou le peu que j'ai réussi un peu à me concentrer sur la musique. Ça marche super bien. Dites-moi ce que vous en savez ou ce que vous en avez compris. Peut-être que vous en saurez plus que moi et que ça m'évitera de faire des heures de recherche. Dans les commentaires, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Allez, à la prochaine et prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.